you all. Que le Seigneur vous bénisse tous. Certainly another privilege to be in the presence of God. Certainement un autre privilège d'être dans la présence de Dieu. Restrictions cannot stop us from worshiping the Lord. Les restrictions ne peuvent pas nous empêcher de glorifier Dieu. Restrictions cannot stop us from talking about Jesus. Les restrictions ne peuvent pas nous empêcher de parler de Jésus. Hallelujah. Amen. Are you happy this afternoon? Vous êtes heureux cet après-midi? David said he was happy when he was asked to go to the house of the Lord. David a dit qu'il était heureux quand on lui demandait d'aller dans la maison. And I believe you are also happy. Et je crois que tu es aussi heureux. Though we are not in churches. Quand bien nous ne sommes pas à l'église. But right now we are in churches. Mais là, nous sommes à l'église. Because what makes a service is not a building. Parce que ce qui fait un service, c'est pas le bâtiment. It's the people that bring the presence of God. C'est les hommes qui apportent la présence Because de Dieu. Because the Bible says. Parce que la Bible dit. Wherever two or three shall be gathered in my name. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom. I shall be in the midst. Je serai parmi It's eux. Never said if you are gathered in a church. Ça ne dit pas si vous êtes No, celui... even if you are gathered in the in a living room. À l'église, même si vous êtes dans un salon. Or in the wood, anywhere. Ou encore dans le bois. It said, "I shall be there." Il s'est dit, je serai là. Amen. So we thank the Lord for this opportunity to Alors, be once again in His presence. Nous remercions Dieu pour l'opportunité d'être une fois plus dans Sa présence. I would like to sing Psalm 37 and Have Thine Own Way, Lord. 37. If you don't mind, I'll ask you to stand to get ready for prayer. Je vous demander de vous tenir debout. So our desire that He may have His own way in our midst this afternoon. Mon désir est qu'il soit parmi nous cet après-midi. Why don't you just raise your hand wherever you are? Pourquoi vous n'élevez pas simplement votre main où que vous soyez? We have a prayer request. Si vous avez une requête de prière. We have a prayer request. Nous avons une requête de prière. From Sister Joanne's dad. Venant de la du père de la sœur Joanne. He wants to be remembered in prayers. Il veut qu'on se rappelle de lui dans la prière. He's going to go for the check-up. Alors qu'il va partir pour la vérification de santé. You know, he's been the real one kidney. Alors c'est pour les os, pour les On n'enlève rien.
un rein de côté. On a enlevé un rein. And he's going for check-up. Il va aller pour le contrôle. And we want the Lord to touch his body and to make him a miracle. Nous voulons que Dieu puisse toucher son corps et qu'il en fasse un miracle. Remember his mother who has a sugar issue. On veut aussi se rappeler de sa mère qui a un problème de sucre. And also of his son that he wants the Lord to touch his life to be more serious about things. Et son fils dont il veut que Dieu puisse toucher son cœur pour qu'il soit sérieux à propos de choses. Our Heavenly Father, Père Céleste, we thank you for your love and grace. Nous te remercions pour ta grâce. Lord, you can see the hands that have gone up this afternoon. Les mains qui sont élevées cet après-midi. You know the needs that are behind every hand. Tu connais le besoin qu'il y a derrière chaque main. Because you search the heart. Parce que toi, tu peux chercher. Before even we speak or pray, avant même que nous ne parlions ou prions, you already know what we had need of. Tu savais déjà ce dont on avait besoin. Father, we thank you because you are here. Père, nous te remercions parce que tu es ici. Because you said so in your word. Parce que tu as dit ainsi dans ta parole. That wherever two or three shall be gathered in your name, you shall be in the midst. Que là où deux ou trois seront réunis en ton nom, tu seras parmi eux. Father, now let your children feel your presence. Père, à présent, laisse tes enfants sentir ta présence. May you touch each and every one. Que tu puisses toucher tout un chacun. They may testify that really they have been in the presence of God Almighty. Qui témoigne qu'ils ont été dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Lord, you are the same yesterday, today, and forever. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. You haven't changed, Lord. Tu n'as pas changé, Seigneur. Nothing can ever come into your presence and remain the same. Rien ne peut venir dans ta présence et rester le même. Anything that comes into your presence changes. Tout ce qui vient dans ta présence change. Lord, may you change something today in our lives. Seigneur, puisses-tu changer quelque chose dans nos vies aujourd'hui. Touch our bodies, Lord. Touche nos corps, oh Seigneur. Heal those who are sick. Guéris ceux qui sont malades. Deliver those who are in the bondage of addiction. Délivre ceux qui sont dans la dépendance. And also, Father, may you bring deliverance to those who need victory. Et délivre ceux qui ont besoin de la victoire. Baptize with the Holy Ghost those who need the baptism of the Holy Ghost. Remplis du Saint-Esprit ceux qui ont besoin de baptême du Saint-Esprit. Father, we pray that today you may protect your children wherever they are in the world with this pandemic going on. Père, nous prions que tu protèges tous tes enfants qui sont dans ce monde avec la pandémie qui continue. Even though data are not good in Manitoba, Lord, but we are trusting in your blood that you will protect each and every one, O Father. Même s'ils ne sont pas Manitoba, mais nous croyons que tu vas protéger tout un chacun. Lord Jesus, we also pray that you remember those who are fleeing the volcano eruptions in Africa, oh God. You protect them, Lord, and help them, oh Father. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui sont en train de fuir l'éruption du volcan en Afrique, que tu puisses les protéger. Lord, we also want to remember our sister Joanne's family, oh God. You know the needs that they have. Bénis aussi la sœur Joanne, tu connais les besoins qu'ils ont dans la famille. You are the same yesterday, today, and forever. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. We pray, Lord, that the Holy Ghost may move around. Nous prions que le Saint-Esprit puisse se mouvoir. You are the mighty God who hasn't changed, Lord. Toi, le Dieu tout-puissant qui n'a pas changé, oh Dieu. We are claiming healing for the Father in the name of Jesus Christ. Nous réclamons la guérison du Père au nom de Jésus Christ. Healing for the mother in the name of Jesus Christ. La guérison pour la mère au nom de Jésus Christ. And deliverance for the young brother in the name of the Lord. Et la délivrance du jeune frère au nom du Father, Seigneur. Father, may you rise up, oh God, as the mighty one. Père, puisses-tu t'élever comme le tout-puissant. That they may testify of a living God. Afin qu'ils puissent témoigner d'un Dieu vivant. Oh Lord, we thank you for love and grace. Oh Seigneur, te remercions pour ta grâce. Also, we commit Sister Joanne in your hands for everything she's trying to do. May your grace go with her before her, oh God. Nous abandonnons la sœur Joanne et tout ce qu'elle essaye de faire entre tes mains, que ta grâce l'accompagne. Lord, we thank you for those that you have helped, oh God, during this time of the with the school and they finished the university exams. Lord, we just want to thank you for love and grace. Seigneur, nous te remercions pour cela que tu as protégé pendant leurs études. Nous te remercions pour ta grâce, ton amour. But Lord, you know how needy we are in this hour. Mais Seigneur, tu sais combien nous sommes nécessités en cette heure. Reveal yourself in each and every one. Révèle-toi dans tout un chacun. Address all the needs and problems of our lives, oh Father. Résous tous les problèmes et les besoins de nos vies. Open a new chapter in our lives, oh Father. Ouvre un nouveau chapitre dans nos vies, oh Père. Do something new in our lives, oh God. Fais quelque chose de nouveau dans nos vies, oh Dieu.
Lord, you know I'm not a good preacher. Seigneur, tu sais que je suis pas un bon prédicateur. I surrender myself in your hands, oh God. Je m'abandonne entre tes mains. Take me out of the way. Ôte-moi du chemin. Let your Holy Ghost move on the scene and preach. Et puisse ton Saint-Esprit se mouvoir sur la scène and encourage your children, Almighty God. Et encourager tes enfants. And give them strength, oh Father. Et leur donner la force, oh Père. In the name of Jesus, we have prayed. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 God bless you all. You may be seated. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Thank you, Lord. Let's take Happiness is the Lord. That would be hymns number 383. Cantique 383. Happiness is to know the Savior living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Oh, happiness is a new creation. Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine. No matter if the teardrops start, I found a secret. It's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living. The least to heaven, happiness is the Lord. Oh, happiness. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip. The least to heaven, happiness is the Lord. Amen. Happiness is the Lord. Wonderful. Let's sing one of the song. Let's take deeper in the love of God. Songs 259. Song 259, deeper. 259. Thank you, Lord Jesus. Oh, deeper, deeper in the love of Jesus, baby, let me go. Higher, higher in the school of wisdom, more of grace to know. Oh, deeper, deeper, and I pray.
It's our prayer, it's our desire to go deeper and deeper in the love of God. C'est notre prière de partir profondément dans la parole de Dieu. Amen. Last song before we go to the word. Dernière chanson avant la parole. It's a highway to heaven. C'est le tour route vers le ciel. 274. 274. Highway to heaven. 274. On your songbook there. 274. It's a highway to heaven. None can walk up there but the pure in heart. It's a highway to heaven. I am walking up the King's highway. It's a highway. It's a highway to heaven. None can walk up there. And while you are standing, if you don't mind, alors que vous êtes debout, we are going to go to the Word of God. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Let's go to John chapter 11. Prenons Jean 11.
And we shall read from verse 18. À partir de 18. John chapter 11. Jean 11. 18. John chapter 11, verse 18. Jean 11, 18. Shall read from verse 18 to verse 28. De 18 à 28. Amen. Now, Bethany was nigh unto Jerusalem, about 15 furlongs off. And many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary sat still in the house. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. Jesus said unto her, Thy brother shall rise again. Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whatsoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? She said unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. And when she had said so, she went her way and called Mary, her sister, secretly saying, The Master is come and calleth for thee. Amen. May the Lord add his blessing to the reading of the word. You may be seated. Que le Seigneur ajoute bénédiction à sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Before we go to the word a little bit, I want to talk a little bit about the volcan eruption that took place. Avant d'entrer dans la parole, je vais parler de l'éruption du volcan. I was reading, you know, sometimes we look at events in life, we think it could be considered as a catastrophe. Je lisais, vous savez, parfois lorsque nous regardons les catastrophes naturelles, nous le considérons comme des catastrophes. Yeah, anyway, you look at that, but you know, I went to the Bible and I went to Genesis to so that when God created the earth. Alors je suis allé dans la Bible dans Genèse, là où Dieu a créé la terre. The earth was completely covered with water. La terre était remplie d'eau. And the Spirit of God was moving upon the waters. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. So I was reading. Alors je lisais. And then I came to this article. Je suis venu sur cet article. That said that 80% of the earth's surface above and below sea is of volcanic origin. Qui dit 80% de la terre au-dessus et en dessous des eaux c'est constitué de volcans. So it's like the earth was completely covered with water. C'est-à-dire que la terre était couverte d'eau. And then there was, volcano. It's the lava comes from the core of the earth. Et les larves viennent du noyau de la terre. And you know, the earth is the core of the earth. It's heated. There's fire underneath the earth. Comme vous savez, le noyau de la terre c'est une boule de feu. So there was the crust the surface of the earth which is called the crust. Et la surface de la terre qui est appelée le cratère. La croûte. La croûte. So it's actually the product of volcanic eruption. C'est un produit des éruptions volcaniques. So when volcano erupted. Lorsque le volcan fait une éruption, and then they made up big mountains. Et ça crée de grandes montagnes. They came on top of the waters. Et ça monte au-dessus de l'eau. It took years and years and years to form this earth. Ça a pris beaucoup d'années pour que cette terre soit formée. So, I was really blessed by reading this. Alors j'étais vraiment béni en lisant ceci. It says that
gaseous emissions from volcanic vents over hundreds of millions of years from the earth. Alors on dit que les gaz qui sont émis de volcans après des années ont formé la Terre. From the earth, earliest oceans and atmosphere. Ont formé la Terre, les océans initiales et l'atmosphère. Which supplieth the ingredient vital to evolve and sustain life. Qui est l'ingrédient capital pour la survie sur Terre. So, eruptions have produced mountains, plateaus and plains, which subsequently eroded and weathered into majestic landscape and from fertile soils that we have today. Alors, les éruptions ont créé des montagnes, des plaines et la fertilité que nous avons aujourd'hui. So, volcanic eruption in itself is not a bad thing. Donc, l'éruption volcanique en soi n'est pas mauvaise. But it becomes bad when men don't know how to prepare themselves to prevent that to become a disaster. Mais ça devient mauvais quand l'homme ne sait pas comment s'y attendre pour que ça ne devienne pas une catastrophe. Now, people today, they enjoy minerals, they enjoy gold, the coltan, they enjoy copper, but all these are products of volcanic eruptions. Alors les gens aujourd'hui se réjouissent du cuivre, de l'or, mais tout ceci c'est le produit des éruptions volcaniques. Because it says here, parce que ça dit ici, volcanic materials, les matériels de volcan, ultimately break down and weather to form some of the most fertile soils on earth, finissent éventuellement par créer certains des éléments très fertiles dans la terre. So the earth become more fertile, c'est-à-dire la terre devient plus fertile. And produce abundant of food for people. Et produit une nourriture abondante pour des gens. And the second thing is, et la deuxième de chose, the internal heat associated with the volcanic with volcanoes. La température interne qui est associée au volcan produces geothermal energy. Crée une énergie joule. Geothermal, géothermique. Thermique. Most of the metallic minerals. Tous ces minéraux métalliques. Most of the metallic la plupart minerals. Minéraux métalliques. Mine in the world. Et de mines dans le monde. Such as copper. Comme le cuivre. Gold. L'or. Silver. L'argent. Lead and zinc. And on. Et tous les autres. Are associated with magmas found deep within the roots of extinct volcanoes. Sont associés aux larves qu'on trouve en dessous des volcans. You see, the eastern part of the Congo, they have a lot of mining, a lot of gold, but it's actually what volcano has produced. Voilà, l'est du Congo est riche en minerais. C'est pratiquement ce que le volcan a créé. Amen. So, volcano itself, it's actually a blessing to the people of eastern the Congo. Dans le volcan en soi est une bénédiction pour les gens dans l'est du Congo. But if people could just know how to protect the surrounding of the volcano to prevent habitation closer, I think people will it will be more of a blessing than of a disaster. Alors si than les of gens, a catastrophe. Si les gens seront capables d'irriguer les larves qui coulent autour de montagnes pour le protéger contre les maisons, je crois que ça va faire plus de bien que de catastrophes. Amen. Abraham says in the message why some people can't keep the victory, he says. Branham dit dans la prédication pourquoi certaines personnes ne peuvent pas. Many thousands of years ago, plusieurs années auparavant, when this old earth here was nothing but a big volcanic eruption, lorsque cette grande terre n'était rien d'autre que des éruptions volcaniques, there wasn't a speck of life on it. Il n'y avait même pas un brin de vie dedans. Never had been nothing. Il n'y avait jamais eu quoi que ce soit. But just volcanic eruption. À part des éruptions volcaniques. Hallelujah. So you see. Donc vous voyez. You are made of the earth. Vous êtes fait de la terre. You are made of volcanic material. Vous êtes fait de matière volcanique. You are made of the 16 elements, potassium, all this are part of the volcanic material. Vous êtes fait de 16 éléments, le potassium, tout ceci fait partir du volcan. So in the message here, hear him. Alors dans le message, écoutez-le. He said you are made of 16 elements of the earth. Il dit vous êtes fait de 16 éléments de la terre. Cosmic light. La lumière cosmique. Petroleum. Le
Le pétrole. Le pétrole. Moisture. L'humidité. Potash and so forth. Le potassium. Le potassium et tout ça. You see, he said all that is volcanic eruption. Il dit tout ceci, ce sont des éruptions volcaniques. So we you come out of the earth. Alors que vous sortez de la terre. When the earth was nothing but just a volcanic eruption. Lorsque la terre n'était rien d'autre que des éruptions volcaniques. And our bodies were laying there. Et nos corps s'étalaient là. In the dust of those volcanic eruptions. Dans la poussière de ces éruptions volcaniques. And you were made up of the 16 elements of potash and cosmic light and all those things. Et vous êtes fait de 16 éléments de potassium, lumière cosmique et toutes ces choses. Amen. Amen. So it's so wonderful that something you can call a war or a disaster, something that is a blessing. Alors c'est intéressant combien quelque chose que tu peux appeler un désastre peut être une bénédiction. The reason why that part of the country is rich, it's because of those volcanic eruptions. La raison pour laquelle cette partie du pays est riche, c'est à cause des éruptions volcaniques. You stop the volcano. Tu arrêtes des volcans. You stop also the mines. Tu arrêtes aussi les mines. Hallelujah. So we thank the Lord for everything. Alors nous remercions Dieu pour toutes choses. And we pray the Lord for more wisdom and intelligence to know how to protect people. Et nous demandons à Dieu pour plus d'intelligence et de moyens pour that he may help the country. Pour qu'il aide le pays. That people may have intelligence. Que les gens aient l'intelligence. How to prevent a disaster when a volcano erupts. Comment préconiser les désastres là où il y a des éruptions volcaniques. Amen. Amen. So keep those families in your prayers. Alors gardez ces familles dans vos prières. So coming back to our topic. Alors revenons sur notre sujet. We see here that it was the time Lazarus was sick and passed away. Et nous voyons que c'est le moment où Lazare était malade et était mort. You know Jesus Christ. Vous savez Jésus Christ. After the death of Joseph. Après la mort de Joseph. He went to live with Lazarus. Il est parti vivre avec Lazare. And Lazarus was living with his two sisters. Et Lazare vivait avec ses deux sœurs. Martha and Mary. Marthe et Marie. So Jesus has a room there. Et Jésus avait une chambre là-bas. He slept there. Il dormait là-bas. He was really a body for that family. Il était vraiment un ami pour cette famille. But then Jesus went on. Et alors Jésus a continué plus tard. And Lazarus fell sick. Et Lazare est tombé malade. Now they sent out messengers. Maintenant ils ont envoyé des messagers. To call Jesus. Pour appeler Jésus Christ. You see, I want to put a little drama here for you to understand. Voyez-vous, je veux faire une petite scène ici pour que vous compreniez. So now Lazarus is sick. Alors Lazare est malade. They prayed unto Jesus. On prie à Jésus. They call in other words because they sent a messenger to call Jesus. On l'appelle en d'autres mots, on envoie des messagers pour appeler Jésus. Because they believed. Parce qu'ils croient. They have seen him. Qu'ils l'ont vu. They knew. Ils savaient. If Jesus was there, si Jésus était là, Lazarus won't be sick. Lazare ne serait pas malade. Everything will be fine. Toute chose sera because bien. They've seen his power to deliver. Parce qu'ils ont vu sa puissance de délivrance. They've seen miracles that he has done. Ils ont vu des miracles qu'il so a opérés. They believed in him. Alors ils croient en lui. They knew he was more than able. Ils savaient qu'il était plus que capable. So now, when Lazarus fell sick, alors maintenant que Lazare est malade, they sent out to call him. Ils ont envoyé des messagers l'appeler. They knew if he would come, it would be the solution. Ils savaient que s'il venait, ça sera la solution. Because wherever he was, there was miracles parce qu'à performed. Où qu'il était, c'était de miracles opérés. So they sent out to call Jesus. Alors ils ont envoyé des gens pour l'appeler. Now instead of Jesus coming, alors au lieu que Jésus vienne, Jesus he did not come, but he went further. Mais Jésus est allé encore beaucoup plus loin. So in other words, en d'autres mots, you pray, tu pries, but it looks like your prayer hasn't been not even answered. Mais c'est comme si ta prière n'est même pas reçue. And the situation kept on getting worse. Rependu et ta situation devient difficile. Now Lazarus became more sick. Alors Lazare devient plus malade. And then they sent out again messengers. Alors on envoie encore des messagers. Go and call Jesus. Va appeler Jésus. Jesus never came. Jésus n'est jamais venu. He went further again. Il s'est encore éloigné. And finally, et finalement, Lazarus died. Lazare est mort. When Lazarus died, lorsque Lazare est mort, they took him. Ils l'ont pris. They embalmed him. Et ils l'ont embaumé. And they buried him. Ils l'ont enterré. Hallelujah. Amen. 4 days later, 4 jours plus tard, after his death and burial,
après sa mort et son ensevelissement. Now Jesus comes back. Et Jésus revient. And here comes Martha. Et voilà que Martha vient. Oh Lord. Oh Seigneur. If thou hast been here. Si tu étais ici. In other words, Lord. Dans d'autres mots, Seigneur. You have missed the opportunity. Tu as manqué cette opportunité. If you are here. Si tu étais ici. In that time. En ce moment ici. In that particular moment. Pendant cette période-là. When it was raging. Lorsque ça faisait rage. Lord, if you could have been there. Seigneur, si tu pouvais être là. Lazarus wouldn't have been dead. Lazare ne serait pas mort. Hallelujah. Amen. But then she continues on, she said. Et elle a continué, elle a dit. But I know. Mais je sais. That even now. Que même maintenant. Outside of that bracket of time. En dehors de cette période de temps. Where Lazarus was sick. Où Lazare était malade. Lord, if you have been here in this period of time. If you have been here while he was sick. Seigneur, si tu étais ici dans cette période de temps où il était malade, he wouldn't have died. Il ne serait pas mort. Now he died here. Maintenant, il est mort ici. If you have been here, si tu étais là-dedans, he wouldn't have died. Il ne serait pas mort. But now he's dead. Mais maintenant qu'il now est mort, you are here. Là que tu es là, I know even here, je sais que même ici, you can do something. Tu peux faire quelque chose. So outside of the bracket, donc en dehors de la fourchette. Hallelujah. Amen. Outside of the bracket, en dehors de la période de temps. So that's where my problem is today. C'est là qu'il y a mon problème aujourd'hui. Because most of us we have those brackets. Parce que la plupart d'entre nous avons ces fourchettes. Lord, if thou hast been there. Seigneur, si tu étais là. That wouldn't have happened. Ça ne serait pas arrivé. I wouldn't have been in this condition. Je ne serais pas arrivé dans cette condition. But can you say like Martha? Mais peux-tu dire comme Martha? As a woman. Comme une femme. She represents the church. Elle représente l'église. You could say, tu peux dire, Lord, Seigneur, even though in that bracket, quand bien même dans cette période, you could have done that, que tu l'aurais pu I le know faire, you can still do it even now. Mais je sais que tu peux toujours le faire même maintenant. Hallelujah. So, as I did say the other day, comme je l'ai dit l'autre jour, that your yesterday, que ton hier, does not determine your tomorrow, ne détermine pas ton lendemain. Hallelujah. Amen. So even if you were rich yesterday, donc même si tu étais riche dans le passé, or you were poor yesterday, ou que tu étais pauvre dans le passé, that doesn't determine your tomorrow. Cela ne détermine pas ton lendemain. He that was rich yesterday, celui qui était riche, can be poor tomorrow. Dans le passé peut être devenu riche. And he that was poor yesterday, dans le futur celui qui était pauvre, can be rich tomorrow. Hier il peut devenir so riche. So your condition yesterday, donc ta condition de hier, does not determine your tomorrow. Ne détermine pas ton lendemain. As a Christian, comme chrétien, your tomorrow, ton lendemain, depends on your faith. In what God is going to do for you. Dépend de la foi que tu as en ce que Dieu va faire pour toi. Hallelujah. Amen. We saw last Sunday that everybody has a past in his life. Nous avons vu le dimanche passé que tout le monde a un passé dans sa and vie. And many times the devil will keep you completely focused on your past life. Et la plupart du temps le diable va te garder focalisé dans ton passé. And will keep you condemned. Et il va te garder condamné. We remind you all your mistakes all the time. Te rappelant toutes tes erreurs à chaque fois. To take joy away from your life. Pour ôter la joie de ta vie. To make you feel so unworthy. Pour te faire sentir combien tu es indigne. But you know it's a trick of the devil. Mais tu sais que c'est l'une des astuces because du diable. Because whatever the devil can do. Parce que tout ce que le diable fait. Is to make you doubt that you are a son or a daughter of God. C'est de te faire douter que tu es fils ou fille de Dieu. That's what he did to Jesus Christ. C'est ce qu'il a fait à Jésus Christ. If thou be the son of God. Si tu es vraiment le fils de Dieu. Turn these stones into bread. Change ces pierres en pain. If thou be the son of God. Si tu es vraiment le if fils thou de Dieu. Be the daughter of God. Si tu es vraiment la fille de why Dieu. Why did you lie yesterday? Pourquoi tu as menti hier? C'est Satan. Dit Satan. I lied yesterday. Je mentis hier. I repented. Je me suis repenti. And before God. Et devant Dieu. I'm clean. Je suis propre. Alléluia. Amen. So the devil tried to keep you focused on your past life. Donc le diable va essayer de garder ton attention sur ta vie passée. And when he can keep you focused on your past life. Et lorsqu'il te garde sur ton passé. There's no hope. Il y a plus d'espoir. Because hope is not in the past. Parce que l'espoir n'est pas dans le passé. Hope is in the future. L'espoir c'est dans le futur. So for you to have joy. Donc pour que tu aies la joie. To have a reason to live. Et que tu aies la raison de vivre. There must be hope. Il faut qu'il y ait l'espoir. And for you to have hope. Et pour que tu aies l'espoir. That gives you a reason to live.
pour que tu aies la raison de vivre, there must be something ahead. Il faudrait qu'il y ait quelque chose so en you avant. Have to stop looking behind. Alors tu dois arrêter de regarder and en arrière look ahead. Et regarde devant. What God has promised. C'est que Dieu a promis. What God is going to do. C'est que Dieu va faire. No matter the circumstances. Peu importe les circonstances. No matter your condition. Peu importe ta condition. Is the same yesterday, today, and forever. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hallelujah. Amen. So here in the message, it was also from the beginning. Alors dans le message, il n'en était pas ainsi au commencement. It said, now one day. Alors un jour, a sickness came in a family of his friend. Une maladie est venue dans la famille de ses amis. And he went away. Et il s'est éloigné. The father had told him to go away. Le père lui a demandé de s'éloigner. Because said son John 5:19. Parce que Jean 19 dit cela. 5:19. He did nothing till the father showed him. Il n'a rien fait jusqu'à ce que le père lui l'a montré. Not the father told him, but showed him. Pas que le père lui a dit me montrer. So he went away. Alors il s'est éloigné. And the lovely sisters of Lazarus et la sœur aimable de Lazare sent to him and said, come pray for your friend, he's sick. Lui envoie un messager pour lui demander de venir prier pour son ami qui était malade. And instead of going to that lovely friend et au lieu d'aller chez cet ami aimable and helping them in time of need et les aider au moment de besoin after they'd come out of their churches and everything to be his disciple après qu'ils ont laissé leurs églises pour devenir ses disciples he ignored the call and went on. Il a ignoré l'appel et a continué. Then when they sent again alors qu'ils ont envoyé encore instead of him responding to that call, au lieu de répondre à cet appel, he went further. Il s'est éloigné davantage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. So, alors, you are Martha today. Vous êtes Martha cet après-midi. I am also Martha today. Je suis Martha aussi. No, we have those times we believe that this is the best time where this could happen. Nous pensons que ça c'est le meilleur moment où ceci aurait pu avoir lieu. Because that's men thinking. Ça c'est la façon de réfléchir des hommes. But we need to get that out of our mind. Mais nous devons se débarrasser de cela de nos pensées. Because God is not locked into a bracket of circumstances. Parce que Dieu ne se retrouve pas bloqué dans une fourchette de circonstances. I'll give you an example. Je vous donne un exemple. Maybe in my bank account I have $1 million. Peut-être que dans mon compte bancaire j'ai $1 million. And then I keep God in that bracket. Et je garde Dieu dans cette fourchette là. I say because I have $1 million I can do more. Je dis puisque j'ai un million je peux faire plus. I believe that God is going to help me with this, to help me with this, to help me with that. Je crois que Dieu va m'aider avec ceci et cela. But if I lose that $1 million. Mais si je perds ce 1 million. I'm not outside of that bracket. Je suis maintenant en dehors de cette fourchette. I could say, il se peut que je dise, you know, if it was at that time, vous savez, si c'était à cette époque-là, I could have done it. J'aurais pu le faire. If it was at that time, si c'était à cette époque-là, I could have afforded. J'aurais pu acheter cela. Because what happened, I'm locking God in that bracket. Pourquoi? Parce que j'ai enclavé Dieu. It looks like outside of that bracket, God cannot operate. Dans cette fourchette-là, c'est comme si en dehors de cette fourchette-là, Dieu ne peut pas opérer. But Martha says, mais Martha dit, even though you could have done something in that bracket, quand bien même tu aurais pu faire quelque chose dans cette fourchette-là, I believe that outside of that bracket, je crois que en dehors de cette période de temps, you are still God. Tu es toujours Dieu. Hallelujah. Amen. Not when I had more money. Non, pas quand j'avais plus d'argent. Not only when I had more education. Non pas quand j'avais plus d'instruction. Not only when I have a good status. Non pas quand j'ai un bon statut. When I have a good status or not. Quand j'ai un bon statut ou pas. When I have money or not. Est-ce que j'ai l'argent ou pas. God is not conditioned by those circumstances. Dieu n'est pas conditionné par ces circonstances. God cannot be locked into those brackets. Dieu ne peut pas être enclavé dans ces fourchettes. He can still work outside of those brackets. Il peut toujours œuvrer en dehors de ces. Even now. Mais il dit même maintenant. Even now, même maintenant. No matter my brackets, peu importe ma fourchette. No matter my circumstances, peu importe ma circonstance. Even I've lost all the money, même si j'ai perdu tout even l'argent. I have nothing left, même si je n'ai rien qui me even reste. Now, Lord, même maintenant, you Seigneur. Are still able. Tu es toujours capable. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Listen. Suivez. It just blessed me. Ça me bénit beaucoup. Because I was thinking of somebody. Parce que je pensais à quelqu'un. I said, Lord, j'ai dit, Seigneur, why didn't you help me know this person at that time?
Pourquoi tu n'as pas fait en sorte que j'aie connu cette personne à cette époque-là? I could have helped them with this, with that. J'aurais pu les aider avec ceci et cela. It looks like I'm limiting God in that bracket. I'm locking God there. C'est comme si je limitais Dieu dans cette fourchette, je l'ai bloqué là-bas. But if God wanted to do something in that bracket, mais si Dieu voulait faire quelque chose dans cette fourchette-là, do you think God would have been hindered by anything? Tu penses que Dieu aurait été incapable de le faire à cause de quoi que ce soit? Pas du tout. Everything is possible to God. Toute chose est possible à Dieu. He can do anything, anytime. Il peut faire toute chose à n'importe quel moment. But God looks at the condition and He let it go. Et Dieu regarde aux conditions et il laisse cela se passer. God could have made that in a way that I knew that person since I was a child. Dieu aurait pu faire en sorte que je connaisse cette personne depuis que j'étais un enfant. I could have helped them better. J'aurais pu les aider mieux. But God said, but even now. Et Dieu dit, même maintenant. You can still do something. Tu peux toujours faire quelque you chose. Don't need to be in those brackets. Tu n'as pas besoin d'être dans cette fourchette. Because God is unlimited. Parce que Dieu est illimité. He's not limited. Il n'est pas limité. He is unlimited. Il est illimité. So get God out of those brackets. Alors sortez Dieu de ces fourchettes. Get your mind out of those brackets. Sortez vos pensées de ces fourchettes. Because these are the things that limit our faith. Parce que ce sont des choses qui empêchent notre foi. Oh, you know, when I had more money, I could have traveled wherever I want to go. Vous savez, si j'avais plus d'argent, quand j'avais encore plus d'argent, j'aurais pu voyager là où je voulais partir. Even now. Mais maintenant. God, if I want me to travel, I will go anywhere He wants me to go. Dieu, si tu veux que je voyage, je vais aller partout que tu veuilles. Hallelujah. Amen. So there's no circumstance in life. Alors il y a pas de circonstance dans la vie. That will lock God. Qui va bloquer Dieu. You can say no, God, because I'm an orphan. Tu peux dire Seigneur parce que je suis orphelin. God is locked. Because Dieu est bloqué parce que je suis orphelin. Oh, God is locked because you are a widow. Dieu est bloqué parce que tu es veuve. Oh, God is locked because you are a widower. Dieu est bloqué parce que oh, God is locked because you don't have money. Dieu est bloqué parce que tu n'as pas d'argent. Oh, God is locked because you don't have any education. Dieu est bloqué parce que tu n'as pas d'instruction. Oh, God is locked because you don't have any status. Oh, peut-être Dieu est bloqué parce que tu n'as pas de statut. I want you to take that out of your mind. Je veux que tu ôtes cela de tes pensées. God cannot be locked in circumstances. Dieu ne peut pas être bloqué dans des circonstances. Martha says. Martha dit. Lord. Seigneur. If you would have been there. Si tu aurais pu être là. Under those circumstances. Sous ces circonstances là. When Lazarus was still sick. Lorsque Lazare est encore malade. He was still breathing. Il respirait encore. He could still talk. Il parlait encore. He could have prayed. Tu aurais pu prier. He could have recovered. Et il aurait récupéré. But his situation got worse. Mais la situation s'est empirée. Not only worse. Pas seulement empiré. Now he's dead. Maintenant il est mort. Not only dead. Pas seulement mort. But he's been buried for 4 days. Mais il a été enterré depuis 4 There's jours. No hope ever. Il n'y a plus jamais d'espoir. But I believe, mais je crois, even outside of the brackets, que même en dehors de cette fourchette, even now, mais maintenant, you are still God. Tu es toujours Dieu. You can do something tu peux faire quelque that chose no man can do. Qu'aucun autre homme ne peut faire. Hallelujah. Amen. Even now, Lord, mais maintenant, Seigneur, you can do it. Tu peux le faire. C'est pas, c'est quand seulement Dieu était dans les conditions là. Non, non. It's only when God was in this condition. No. Don't put God in a bracket. Ne mettez pas Dieu dans des fourchettes. Hallelujah. Amen. Now, yeah. Let's see few people in the Bible. Voyons quelques personnages dans la Bible. And so we can illustrate this message this afternoon. Comme ça, on va illustrer ce message cet après-midi. Let's take your Bible. Prenons nos Bibles. Let's go to Genesis chapter 18. Allons dans Genèse 18. Genesis chapter 18, verse 11. Genèse chapitre 18, verset 11. You know, vous savez, I said, Lord, if I knew this sister before, j'ai dit, Seigneur, si je connaissais cette sœur plus tôt, I could have helped her to have a successful life. J'aurais pu l'aider à avoir une vie pleine de succès. But even now, Lord, mais même maintenant, Seigneur, you can give her a successful life. Tu peux lui donner une vie plein de succès. No matter what she has gone through. Peu importe ce qu'elle a traversé. No matter what her life looks like. Peu importe à quoi ressemble sa vie. Lord, you are still able. Seigneur, tu es plus que capable. We need to get out of those brackets to believe that we cannot
lock God in circumstances. Nous devons sortir de ces fourchettes parce qu'on ne peut pas bloquer Dieu dans des circonstances. As if God is unable. C'est comme si Dieu était incapable. Genesis chapter 18, verse 11. Let's Genèse read. Chapitre 18, verset 11. Lisons. The Bible says, la Bible dit, now Abraham and Sarah, Abraham et Sarah were old, étaient vieux, and were stricken in age. Avancés en âge. Hallelujah. Amen. Now here we have age bracket. Alors là, on a une fourchette d'âge. Hallelujah. Amen. Now from this age and to this age, it's alors, possible. Alors de cet âge jusqu'à cet âge, c'est possible. But out of that age, it's not possible. Mais en dehors de cet âge, c'est plus possible. Eh? Is that right? N'est-ce pas? Now let's see the age bracket here. Alors voyons la fourchette d'âge ici. Abraham and Sarah were old and well stricken in age. Abraham et Sarah étaient avancés en âge. And it ceased to be with Sarah after the manner of women. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. That means she couldn't have her period anymore. Donc elle ne pouvait plus avoir ses menstrues. So it was finished. So that age bracket was finished. Donc c'était fini. Cette période d'âge était partie. So that age bracket of childbearing was completely passed. Cette période où on pouvait concevoir était passée. Therefore, Sarah laughed. Elle rit en elle-même. Within herself and saying, en disant, after I'm wax old, maintenant que je suis vieille, shall I have pleasure, my Lord being old also? Aurais-je encore désir, mon Seigneur aussi vieux? So there was even pleasure bracket was completely gone. Il y avait même une période de plaisir qui était partie. No more family relationship as a couple. Il n'y a plus de relation de couple. And the Lord said unto Abraham, et l'Éternel dit à Abraham, wherefore did Sarah laugh? Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Saying, shall I offer sweet to bear a child with which I'm old? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Is anything too hard for the Lord? Y a-t-il rien qui soit étonnant par At the time appointed, I'll return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. How many understand now the notion of bracket here? Combien ont compris la notion de fourchette ici? So, if let's put the context of Martha. Alors, apportons le contexte de Marthe. So, Sarah could have said. Sarah aurait pu dire. Lord. Seigneur. If thou would have come. Si tu serais venu. In that bracket. Dans cette fourchette là. Where the age was okay to bear a child. Là où l'âge était assez bon pour concevoir un enfant. When I was still able to have pleasure with my Lord. Lorsque j'étais encore capable d'avoir du plaisir avec mon Seigneur. But then he said, but I know. Puis il dit, mais je even sais now, que maintenant, you are still able to do it. Tu es toujours capable de le but faire. She did not say it. Mais elle ne l'a pas dit. She laughed. Elle a ri. Why did she laugh? Pourquoi est-ce qu'elle a ri? Because she did not believe that out of that age bracket, God can do something. Parce qu'elle pensait pas qu'en dehors de cette fourchette d'âge, Dieu pouvait faire quelque chose. But Martha, mais Marthe, she looked at the bracket. Elle a regardé à la fourchette. And she said, elle a dit, I know God. Je connais Lord, Dieu. I know you. Dieu, je te connais. I've seen you raise dead. Je t'ai vu. I've seen you heal the sick. Ressusciter le mort. I've seen you multiply the bread and the fish. Guérir, multiplier le There's poisson. There's nothing impossible to you. Il y a rien d'impossible. Even now, même maintenant, you can do something. Tu peux faire quelque chose. Even now, même maintenant, whatever you shall ask unto your father. Quoi que tu sais. Tu demandes à ton père. It shall be given. Te sera donné. Hallelujah. Amen. So we have age bracket. Donc on a une limite d'âge. Sometimes, parfois, we think in our age bracket, God cannot heal us. Nous pensons que dans notre fourchette d'âge, Dieu ne peut pas nous guérir. Oh, I'm an old person. Oh, je suis une vieille personne. It looks like God says only babies can be healed. Oh, c'est comme si Dieu avait dit rien que les bébés peuvent être guéris. God never said only babies can be healed. Dieu n'a jamais dit que rien que les bébés seront guéris. He said, I'm the Lord God that healeth thee. Il a dit que je suis le Seigneur Dieu qui t'a guéri. Even if you are 90 years old. Même si tu as 99 ans. God is still your healer. Dieu est toujours ton guérisseur. Even if you are 100 years old. Même quand tu as 100 ans, God is still your healer. Dieu est toujours ton guérisseur. So there's no age bracket for God to heal. Donc il n'y a pas de limite d'âge pour que Dieu guérisse. There's no age bracket for God to bless. Il n'y a pas de fourchette pour que Dieu bénisse. You say, oh no, I'm too old now. I don't think I've passed the bracket of receiving blessings. No. Non, je suis trop vieux. J'ai passé la fourchette. On peut recevoir des bénédictions. Do not put God blocked
into a bracket. Ne bloque pas Dieu dans une fourchette. Because if you put him there, parce que si tu le mettais là-bas, you are making God like a dead God. Tu fais de Dieu un Dieu mort. That means, c'est-à-dire, God can only act upon your faith. Dieu ne peut agir que sur base de ta foi. Because God responds to your faith. Parce que Dieu répond à ta foi. He said, it shall be done unto you according to your faith. Il dit, et sera fait selon ta foi. Now, if your faith, alors si ta foi, puts locks God into a bracket, bloque Dieu dans une fourchette. That means there's nothing you can receive from him. C'est-à-dire qu'il y a rien que tu peux recevoir you de lui. You need to break those brackets. Tu dois briser ces fourchettes. And free your mind. Et libérer tes pensées. And believe that he's more than able to do whatever he has promised to do in his word. Et croire qu'il est plus que capable de faire quoi qu'il ait promis dans sa parole. Hallelujah. Amen. So when God called Abraham, alors ce que Dieu a appelé Abraham, he was 75 years old. Il avait 75 ans. And Sarah, et Sarah was 65 years old. Avait 75 ans. 65 years old. 65 ans. 65 ans. Now when the angel of the Lord came to visit them, alors lorsque l'ange de l'Éternel est venu les visiter, turning his back to the tent, tournant son dos au temple, Sarah was 79. Elle avait 79. And Abraham, et Abraham, no, Sarah was 89, sorry. Elle avait 89 ans. And Abraham, et Abraham was 99. Avait 99 ans. Alléluia. Amen. 89 and 99. 99 et 89. So they had passed the opportunity. Donc ils ont passé l'opportunité. Alléluia. Amen. Many of you today. Plusieurs d'entre vous aujourd'hui. Would say no, you know what? Peuvent dire ah, vous savez quoi? If I was maybe in my 30s. Si j'étais encore dans ma trentaine. I could have achieved this. J'aurais pu faire ceci. But. Mais you say you have passed the opportunity. Tu dis j'ai passé l'opportunité. Hallelujah. Amen. Abraham and Sarah. Abraham et Sarah. They had passed the opportunity. Ils avaient passé l'opportunité. Oh, I think this would possibly if I was 40 years old. Oh, I have passed the opportunity. Si j'avais 40 ans, je crois que j'ai passé l'opportunité. I want you today. Je veux que to repent from that kind of thinking. Vous puissiez vous repentir aujourd'hui de cette There's façon. There's no opportunity you have lost. De penser, il y a rien que vous ayez perdu. Wherever you are right now. Quoi que vous êtes maintenant. God can do anything. Dieu peut tout faire. If he was able to give a child to a woman who has passed menopause. S'il était capable de donner l'enfant à une femme qui avait passé la ménopause. If he could have given life to a man who was dead for 4 days. S'il avait donné la vie à quelqu'un qui était mort depuis 4 jours. Why do you still keep brackets? Why do you still lock him into brackets? Pourquoi tu continues à garder les fourchettes où so tu mets Lord, Dieu? If thou hast been there. Oh Seigneur, si tu étais Lord, là. Lord, if you would have done it at that time. Oh Seigneur, si tu l'avais fait à Lord, cette époque. Lord, I've wasted time. At that time would have been. There's nothing wasted. Oh Seigneur, j'ai gaspillé ces temps-là. Il n'y a pas de temps gaspillé. Everything works for the good of them that love the Lord. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. As a Christian, I believe my life is under control of God. Comme étant chrétien, je crois que ma vie est sous contrôle de Dieu. He allowed things in my life. Il a permis des choses dans ma vie. Because he has to train me. Parce qu'il doit me former. To build me up. Il doit me bâtir. To bring me a character. Produire un caractère en moi. A strong believer. Un croyant fort. A strong Christian. Un chrétien fort. As a son of Abraham. Comme fils d'Abraham. I have to have the faith of my father Abraham. Je dois avoir la foi de mon père Abraham. He believed God outside of brackets. Il a cru en Dieu en dehors de fourchettes. He believed in God outside of age brackets. Il a cru en Dieu en dehors de facteur âge. He believed in God outside of pleasure brackets. Il a cru en Dieu en dehors du facteur plaisir. Hallelujah. Amen. Sarah knew that her body was dead. Savait que son corps était mort. She could not conceive. Elle ne pouvait plus concevoir. The Bible says even Abraham. La Bible dit même Abraham. His body was dead. Son corps était mort. That means his seed. C'est-à-dire sa semence. Could no longer give life. Ne pouvait plus donner la vie. And Abraham also was dead. Abraham aussi était mort. But listen. Mais suivez. At 90 years old. À 99 ans. 99. If thou had been here, Lord. Si tu étais ici, Seigneur. If thou would have been here before I went through menopause. Si tu étais ici avant que je ne passe dans la ménopause. Hallelujah. Amen. But they went outside the brackets. Mais ils étaient en dehors de la fourchette.
Romans chapter 4 verse 19 says. Romains 4, 19 dit. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. So Abraham did not consider the brackets. Alors Abraham n'a pas considéré la fourchette. Hallelujah. Amen. So if you are a son of Abraham, si vous êtes enfant d'Abraham, if you are a daughter of Abraham, si vous êtes fille d'Abraham, you should not consider the brackets. Vous n'avez pas considéré la fourchette. God operates outside of brackets. Dieu opère en dehors de la fourchette. You cannot lock God. Vous ne pouvez pas en... No, God could have done it here. Bloquer Dieu, que Dieu aurait dû le faire ici. Sometimes He will let you use all your resources. Parfois, il va laisser en sorte que vous épuisez until vos ressources. Your resources are done. Jusqu'à ce que toutes vos ressources sont then finies. He comes. Et après, il vient. Then he shows you, I'm still God. Et après quoi, il te prouve que je suis toujours Hallelujah. Dieu. Amen. I remember je me rappelle when I was a young man, quand j'étais plus jeune. I just finished my high school. J'ai juste fini mes études. I said, I'm going to go study. J'ai dit, je vais aller étudier. My first attempt, ma première tentative go to Europe. D'aller en Europe. Oh, it didn't work. Ça n'a pas marché. My second attempt, deuxième tentative. Go to United States. Partir aux États-Unis. I did everything was perfect. Everything tout, was right. Tout était parfait. Everything. Tout. Admitted in university. Inscrit à l'université. Affidavit of support. Everything was there. La lettre d'affidavit de soutien, tout était là. And I was standing there before the American consul. Et je me tenais devant le consul américain. And he told me. Il m'a dit. I don't know why. Je sais pas pourquoi. Everything is okay. Tout est bon. But something tells me not to give you the visa. Et quelque chose me demande de ne pas te donner le visa. I don't know what it is. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Something that tells me not to give you the visa. I don't know why. Quelque chose me dit de ne pas te donner le visa. Je sais pas pourquoi. I said, my God. J'ai dit mon Dieu. My God. Mon Dieu. And they, actually the counselor. Et le consul. Et le consul. He had good relationship with people that were around me. And he was really willing to do it for me. Il était en bon terme avec des gens But qui étaient autour de moi. Really tells him not to do it. Il avait la volonté de le faire, mais il disait que quelque chose lui so empêchait de le faire. J'étais tellement déçu I forgot about it. Que j'ai oublié à propos de cela. I continued my life. Je continuais ma vie. Alléluia. But God mais Dieu never forget it. N'a jamais oublié cela. He came to show me il est venu me montrer it's not when you have a I-20, que ce n'est pas quand tu es dans event, la vingtaine. The event. Le event. It's not when you have somebody that say they are going to take charge of all your studies, the education. C'est pas lorsque vous avez quelqu'un qui s'est garanti de prendre en charge vos études. It's not when somebody has guaranteed you a house. Ce n'est pas lorsque quelqu'un s'est garanti de vous donner une maison. That you can say, no, God has worked in that bracket. Que vous pouvez maintenant dire Dieu fonctionne dans cette fourchette. It's God. Il est Dieu. The God of impossibility. Le Dieu de l'impossible. If he does things natural, s'il fait des choses naturelles, men will not believe that it's God. Les hommes ne croiront pas que c'est Dieu. They will believe it's themselves. Ils vont penser que c'est eux-mêmes. But it has to get to a point you can see it's God. Mais ça doit arriver au point où tu penses que c'est Dieu. In the message Jehovah Jireh, dans le message Jehovah Jireh, it says this, preached in 1961. Dans 61. The more impossibility it seemed to be, plus impossible. Abraham praised God. Abraham a remercié Dieu. Because it was going to be a greater miracle. Parce que ce serait un grand miracle. Than it was if it happened back when she was 60. Que ça aurait pu être quand il avait 16 ans. It would be a great miracle. Ça aurait été un grand miracle. For it to happen when he is 99. Quand il avait 99 ans. Then if it would happen when he was 60. Que lorsqu'il avait 60 ans. Because at 60, parce qu'à 60 his ans, body was strong. Son corps était fort. At 60, à 60 ans, he was in the bracket. Il était dans la fourchette. He could have said, well, I'm still strong. Il pouvait dire, je suis encore fort. Well, I still have money. J'ai encore l'argent. I'm intelligent. Je suis intelligent. Oh, you know what? I have this. Oh, vous savez quoi? J'ai ceci. Oh, I have my children. J'ai mes enfants. I have my wife. J'ai mon épouse. Oh, everything's fine. Oh, tout va bien. But then when it comes beyond that bracket, et lorsque ça vient... Il est question d'être en dehors de cette fourchette. That's where your faith is tested. C'est là que votre foi a été prouvée. And many times, et à plusieurs reprises in our lives, dans nos vies, God Dieu takes us out of those brackets. Nous ôte de ces fourchettes to see what we are going to do. Pour voir ce que nous allons faire.
Because he doesn't want to act in those brackets. Parce qu'il veut pas agir dans ces fourchettes. Because it will be a natural thing to you. Parce que ça sera quelque chose de naturel pour vous. Then it has to be outside of brackets. Ça doit être en dehors de fourchettes. For you to see that it is supernatural. Pour que tu vois que c'est surnaturel. Then you can give glory unto God. Ainsi tu peux donner gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. I'll give you an example here. Je vais vous donner un autre exemple ici. Let me read first here in the message being of the. Je vais premièrement lire ici dans le message. Now Abraham didn't look and say. Alors Abraham n'a pas regardé et dit. Well, Sarah. Voilà Sarah. You are 65 years old. Tu as 75 ans. You are 65. Tu as 65 ans. He told me we'd have the baby. Il m'a dit qu'on aura le bébé. So this month there's nothing different. Alors ça montre qu'il y a rien de différent. Ce mois, il s'est rien passé. Amen. And so I guess we are going to. We are not going to have it. Alors, j'ai comme l'impression on l'aura pas. I guess it was a mistake. Je crois que c'était l'erreur. God didn't speak to me. Dieu ne m'a pas parlé. The vision wasn't right. La vision n'était pas vraie. No, no, no. Non, non, non. It got stronger and stronger. Ça devient beaucoup plus fort. It got stronger and stronger. Ça devient de plus en plus fort. He got stronger and stronger. He devient plus fort. All the time. À chaque fois. And claim the victory. Et réclame la victoire. For 25 years. Pour 23 ans. Until the baby came. Jusqu'à ce que le bébé est venu. Abraham says, et Frère Branham dit. I believe. Je crois. If it will have been 45 years. Si ça aurait été. He will still be claiming it. 47 ans, il aura continué à réclamer cela. Hallelujah. Amen. Are you the seed of Abraham? Vous êtes la semence d'Abraham. Can you believe like your father Abraham? Peux-tu croire comme ton père Abraham? God puts you outside of brackets. Dieu te sort de fourchettes. Age brackets. La fourchette de l'âge. Prosperity brackets. La fourchette de la prospérité. Marriage brackets. La fourchette du mariage. Childbearing brackets. La fourchette de la conception d'un enfant. Success brackets. La fourchette du succès. Hallelujah. Amen. God is more than able. Dieu est plus que capable. Let's take a second person here before we move to the third one. On va prendre un deuxième personnage avant de partir au troisième. Take your Bible in Acts chapter 7 verse 22. Prenez vos Bibles dans Actes 7 2. 22. Actes 7 22. Acts 7, 22. Acts 7, 22. It says. Ça dit. And Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians. Moïse fut instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. And was mighty in words and in deeds. Et il était puissant en paroles et en œuvres. And when he was full 40 years old. Il avait 40 ans. It came into his heart to visit his brethren and the children of Israel. Lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères. And seeing one of them suffer wrong. Il en vit qu'on outrageait un. He defended him and avenged him that was oppressed and smote the Egyptian. Et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. For he supposed his brethren would have understood how that God by his hand would deliver them by. But they understood not. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. So Moses, alors Moïse, he thought that he was going to deliver the children of Israel. Il pensait qu'il allait délivrer les enfants d'Israël. As a mighty man, comme un homme puissant. He was the next Pharaoh. Il était le prochain pharaon. He was trained in the military. Il était formé dans l'armée. And as a military. Et comme soldat, he knew that to have victory, you have to kill. Il savait que pour avoir la victoire, il faut tuer. To have deliverance, you have to kill. Pour avoir la délivrance, il faut tuer. So there was a bracket. Alors il y avait une fourchette. The bracket where Moses was in Egypt. La fourchette où Moïse était en Égypte. The next Pharaoh. Le prochain pharaon. The great military. Le grand militaire. With the great wisdom. Avec la grande sagesse. With the great education. Avec la grande instruction. A strong man. L'homme fort. Moses.
Moïse. With all the fame. Avec toute la notoriété. It was the best time ever. C'était le meilleur moment in ou jamais. Bracket, dans cette fourchette. For him to do something. Pour qu'il fasse quelque chose. But God never used Moses in that bracket. Mais Dieu n'a jamais utilisé Moïse dans cette Alleluia. Fourchette. Amen. He took Moses out of that bracket. Il a sorti Moïse de cette fourchette. He gave him another 40 years in the wilderness. Et lui a donné un autre 40 ans dans le désert. Moses lost all his strength. Moïse a perdu toute sa force. He became weak. Il est devenu faible. 80 years old. 80 ans. Walking with a cane. Marchant avec la canne. It's at that moment c'est en ce moment-là that God says, que Dieu a dit Moses, Moïse go and deliver my people. Va délivrer mon peuple. Me, moi with what? Avec quoi? I say, I'm going to send you. Je dis que je vais t'envoyer. I'll go before you. J'irai au-devant de toi. But when Moses was strong, mais lorsque Moïse était encore said, fort oh God, il a dit au Dieu if you were there, si tu étais là-bas. When I was still strong. Quand j'étais encore fort. When I had my military education. Quand j'avais encore mon instruction with militaire. My strength. Avec ma force. With my fame. Avec ma with notoriété. My influence. Avec mon influence. I could have done it. J'aurais pu le faire. But if it would have happened at that time, mais si ça serait passé à cette époque-là. It would have been something natural. Ça aurait été quelque chose de naturel. It would have been just a revolution. Ça aurait été juste une révolution. Something natural. Quelque chose de naturel. And men could take glory. Et les hommes pouvaient prendre la gloire. So if God works in those brackets, mais si Dieu marche dans ces it becomes natural. Périodes, ça devient naturel. Because you have the ability. Parce que tu as la capacité. You can do it. Tu peux le faire. But God, mais Dieu, when you realize you can't do it, lorsque vous rendez compte que vous ne pouvez plus le faire, that you are not outside of brackets, lorsque vous rendez compte que vous êtes en dehors de fourchette, c'est là que vous voulez garder la confiance en Dieu. And God takes you out of brackets, et Dieu te sort de fourchette to see if you are a real son and daughter pour voir si vous êtes véritable fils ou fille d'Abraham that can go beyond the age bracket, qui peut aller au-delà de la fourchette d'âge that can go beyond education bracket, qui peut aller au-delà de la fourchette d'éducation that can go beyond financial brackets, qui peut aller au-delà de la fourchette de finances. It does depend on my financial bracket. Ça ne dépend pas de ma fourchette financière. Yeah, oui. God is more than able to do beyond my financial bracket. Dieu est plus que capable d'agir au-delà de ma fourchette financière. It's not about my intellectual capacity. Ce n'est pas à propos de mes capacités intellectuelles. God is more than able to do more than the bracket of my intellectual capacity. Dieu est capable d'agir plus que les capacités, mes capacités don't intellectuelles. Don't lock God in a bracket. Ne garde pas Dieu dans no, des I don't fourchettes. Understand mathematics. Non, je ne comprends pas le maths. So you put God in the bracket of mathematics. Alors tu mets Dieu dans la fourchette mathématique. If I do better in mathematics, then God can work. Non, si j'ai réussi en mathématiques, no, when I'm not doing Dieu... well in mathematics, non, quand je ne parviens pas à m'en sortir en God mathématiques, is more than able to help me. Dieu est plus que capable de m'aider. Hallelujah. Amen. That the devil comes and gives you fear. C'est comme ça que le diable vient te donner la peur. He locks God in those brackets, and in your mind is completely shut off. You can't trust, believe, even have hope anymore. Il garde Dieu dans ses fourchettes, et tu ne peux plus avoir de l'espoir. Hallelujah. Amen. The opportunity for Moses to do a great job of deliverance. L'opportunité pour Moïse de faire un bon travail de délivrance. Seemed to be the time when he was a mighty man in Egypt. Apparemment, c'était le moment où il était l'homme puissant en Égypte. The opportunity for you and I to achieve something. L'opportunité pour que vous et moi accomplissons quelque chose. We were mighty in some abilities. C'est apparemment le moment où nous sommes puissants dans quelque chose. No, God doesn't depend on those brackets. Non, Dieu ne dépend pas de ces fourchettes. Do not put the possibility in a bracket. Non, ne mettez pas la possibilité dans des fourchettes. Do not put the possibility under certain circumstances. Ne mettez pas les possibilités dans certaines circonstances. No, possibility under the law of faith. Non, mettez les possibilités dans la loi de la foi. And the law of faith works outside of brackets. Et la loi de la foi marche en dehors de fourchettes. It works on what God says. Ça marche sur ce que Dieu a dit. No, the doctors come and say, you know what, you have cancer, you're going to die in a few days. Alors le docteur vient vous dire, vous savez quoi, vous avez le cancer, vous allez mourir dans quelques jours. No, you say, Lord. Maintenant vous dites au Seigneur. They say I'm going to die in 14 days. On a dit que je vais mourir dans 14 jours. If you don't come in those 14 days, I'm dead. Si tu viens pas dans les 14 jours, je suis mort. First of all, premièrement, refuse. Refuse.
that your life depends on the 14 days. Que ta vie dépend des 14 jours. Say, God, dis Seigneur, more than able to give me life beyond the 14 days. Il est capable de me donner la vie au-delà you de 14 put jours. My life in a bracket, tu as mis ma vie dans une fourchette. But God can give me more days to live than what you're giving me. Mais Dieu peut me donner plus de jours à vivre que ce que tu me donnes. Doctor can give you 1 year to live. Le docteur peut te donner une année de vie. God can give you 10 years. Dieu peut te donner 10 ans. Alléluia. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. So do not sink your mind what you think were opportunities. Alors n'engloutissez pas votre pensée là où vous trouvez l'opportunité. Amen. God is more than able to open a door of opportunities. Dieu est plus que capable d'ouvrir les portes de l'opportunité où que tu sois. Let's go to another person here. Nous allons dans quelqu'un d'autre ici. Now we are coming back to Martha. Maintenant nous repartons chez Marthe. Before I get there, let me read this. I like this. Avant que j'y parvienne, je vais lire ceci, j'aime ça. In the message perseverance. Dans le message persévérance. Moses. Moïse. Another great smart man. Un autre homme puissant. That had been raised up. Qui a été élevé. Born in the world. Né dans le monde. For a certain achievement of God. Pour accomplir quelque chose de Dieu. And he tried to meet this goal. Et il a essayé d'atteindre cet objectif. By his scientific acts. Par ses actions saintes. Scientifiques. Par ses actions scientifiques. We are taught and told by history. Il nous a été enseigné dans l'histoire. That he was a great military leader. Qu'il était un grand leader militaire. And his only way of doing anything was killing off. Et l'unique moyen pour lui de faire quelque chose, c'était de tuer. He was so smart. Il était tellement intelligent. Amen. Amen. He was so smart. Il était tellement intelligent. That he could teach the smart Egyptian wisdom. Qu'il pouvait enseigner aux plus intelligents Égyptiens la connaissance. In all of his wisdom. Dans toute sa sagesse. And all that he knew. Et tout ce qu'il savait. Yet he failed. Quand bien même il a échoué. Miserably failed. Il a échoué de façon lamentable. To achieve what God had in mind for him to do. D'accomplir ce que Dieu avait en pensée pour qu'il fasse. And in finding his failure. Et en constatant son échec. By slaying the Egyptian. En tuant l'Égyptien. Hiding him in the sand. Le cachant dans les sables. Hearing a rebuke from his brother. Et sans écoutant la réponse de son frère. Amen. And the question, will you slay us as you did the Egyptian? Et la question, tu vas aussi nous tuer comme tu as fait de l'Égyptien? Upon this, Moses ran into the wilderness and ran away, prophet. À partir de là, Moïse a fui dans le désert. Alléluia. Amen. So Moses. Alors Moïse. He thought he would deliver the children of Israel when he was the power and mighty man in Egypt. Tu penses qu'il aurait pu délivrer le peuple d'Israël quand il était puissant en Égypte? Alléluia. Amen. So we condition God. Alors nous conditionnons Dieu. To time and circumstances that we think were favorable for him to act. Dans des temps et des circonstances que nous pensons sont favorables pour qu'il agisse. Any time is favorable for God. N'importe quel moment est favorable pour Dieu. Even when you are in the grave, même quand tu es dans la tombe, it's a favorable time for God to act. C'est toujours un temps favorable pour que Dieu agisse. You say, Lord, now I'm dying. What's going to happen to my family? Tu dis Dieu, maintenant que je suis mourant, qu'est-ce qui arrivera à ma death famille? Death won't stop God. Peu importe, cela n'arrête pas Dieu. No. Non. Lord, what am I going to do? Dieu, qu'est-ce que je ferai? Lord knows what he's going to do. Le Seigneur sait ce qu'il fera. Not what you shall do. He knows what he should do. Pas ce que tu feras, il sait ce qu'il fera. So there's not favorable time or opportunities for God to act. He can act anytime. Alors il n'y a pas de moment favorable pour Dieu. Il peut agir n'importe quel moment. Can you imagine even in this last age? Peux-tu imaginer même dans ces derniers âges? The worst age ever. L'âge pire qui where puisse exister. Demon powers that ever fought the church is fighting right now. Là où tous les démons qui ont combattu l'église combattent maintenant. But this is the age God has found the glorious age ever to reveal himself. Mais c'est l'âge où Dieu a trouvé glorieux de se révéler lui-même. So if you look at the evil that taking place in this age. Alors si vous regardez le mal qui prend place en cet âge. You put God in a bracket.
Tu as mis Dieu dans une fourchette. But God goes outside of that bracket. Say, I am still God. Mais Dieu est en dehors de cette fourchette. Il dit, je suis Dieu. I am the God in present tense. Je suis le je suis Dieu au présent. I don't depend on those brackets. Je ne dépends pas de ces fourchettes. Burst them out. Casse-le. Burst the brackets. Briser les fourchettes. Let your mind go free and believe his promises. Libérez vos pensées et croyez en sa promesse. Hallelujah. Amen. So we see a Moses. Alors nous voyons que Moïse, the servant of the Lord, le serviteur de Dieu, had been called. Il a été appelé to a line of duty. À la ligne de the message, the voice of the sign. La prédication, la voix du signe. La voix du signe. And doing what he thought he was highly educated in Egypt. Et faisant ce qu'il pensait être assez instruit en Égypte. Learned all the wisdom of the Egyptian. Il a appris toute la connaissance de l'Égypte. And seemingly he had a way. Et apparemment, il avait un moyen. That in being a great military genius. Il était un génie militaire. That he was able to deliver his people from under that bondage. Et pensait qu'il sera capable de délivrer son peuple de l'esclavage. Because he was the next coming pharaoh. Parce qu'il était le prochain pharaon. Oh Lord, you know. Oh Seigneur, tu sais. I would have been a great help to my family if I had money. J'aurais été un grand aide pour ma famille si j'avais l'argent. That's your mind. Ça, c'est ta pensée. You are putting God in a bracket. Tu mets Dieu dans des fourchettes. In a financial bracket. Dans une fourchette financière. No, because I don't have financial, I don't have ability. Oh, parce que j'ai pas les financiers. So I can't be of great help to my family. Alors je peux pas être utile à ma famille. Let that bracket be burst out completely. Laisse que cette fourchette soit cassée complètement. Don't have that kind of thinking because you are the son and daughter of Abraham. N'ayez pas cette mentalité parce que tu es fils d'Abraham. You believe in a God that works outside of brackets. Tu crois au Dieu qui fonctionne en dehors de fourchettes. You don't depend on brackets of opportunities. Tu ne crois pas aux fourchettes des opportunités. He goes everywhere. Hallelujah. Il va partout. So, and now, et maintenant, how easy it would have been for him to have done it. Combien facile ça aurait, il aurait bien pu le faire. It would be very easy for Moses to do it. Ça aurait été si facile pour que Moïse le fasse. How easy it would have been for him to have done it. Combien cela aurait pu être facile pour qu'il fasse. But you see, mais voyez-vous, if that would have been the case, si cela était le cas, then it would have been a natural thing. Alors ça aurait été quelque chose de naturel. A natural thing. Quelque chose de naturel. You must come to realize. Vous devez réaliser that it's God. Que c'est Dieu. God don't take natural things. Dieu ne prend pas des choses naturelles. He takes supernatural things to prove himself. Il prend des choses surnaturelles pour se prouver. So God wants to use supernatural things to prove himself. Alors Dieu veut utiliser des choses surnaturelles pour se prouver. So it must be a miracle. Alors ça doit être un miracle. It must be something that is outside of brackets. Ça doit être quelque chose qui est en dehors de to make it supernatural. Pour faire de cela surnaturel. To make it a miracle. Pour faire de cela because un miracle. Because if it happens in the brackets, parce que si ça se passe dans les it's going to fourchettes, be a natural thing. Ça sera quelque chose de naturel. You won't even see the value. Tu vas même pas voir la valeur. Hallelujah. Amen. You see? Voyez-vous? If God gives you children, si Dieu vous donne des enfants, you get married, vous êtes marié. One year after, une année après, a child, un enfant. Another year after. Après une année a encore, child. Un enfant. And then after, après une année, a child. Un enfant. You believe vous allez penser that you are in the bracket. Que vous êtes dans la fourchette. It's a natural thing. C'est quelque chose de naturel. But I tell you, let somebody who has been 15 years without a child. Mais voyez quelqu'un qui a passé 15 ans sans un enfant. And then she receives the child. Et lorsqu'elle reçoit un enfant, that child would have, I don't know, it would be, it's going to be a great miracle. Ça va être un plus grand miracle. Because for Abraham, parce que pour Abraham, Abraham says, Abraham dit, if it would have happened when she was 60, when Sarah was 65, si ça pouvait arriver lorsque Sarah avait 65 ans, it would have been a great miracle. Ça n'aurait pas été un grand miracle. It would have been something natural. Ça aurait été quelque chose de naturel. But when it happened at that age, mais quand ça arrive à cet âge, it became a great miracle. Ça c'est devenu un grand miracle. And God wants to do a great miracle for you. Et Dieu veut faire un grand miracle pour vous. He wants God to do a great miracle for you. Si vous voulez que Dieu fasse un grand miracle pour vous, it must be something outside of brackets. Ça doit être quelque chose en dehors de where you lose fourchette. Control. Là où tu perds le where contrôle. You lose ability. Là où tu n'as plus de capacité. Where you lose power. Là où
où tu n'as plus de force, là où tu n'as plus de puissance, et Dieu descend sur la scène et se révèle comme le grand Jéhovah. Amen. Thank you, Lord Jesus. So merci, Seigneur Jésus. Alors nous avons vu Marthe. Il dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Seigneur, même maintenant, ces fourchettes ne peuvent pas t'empêcher. You are more than able. Tu es plus que capable. He said, yes, Martha. Il a dit, oui, Marthe, I am the resurrection. Je suis la résurrection. And I am the life. Et je suis la vie. Where did you bury him? Où est-ce que tu l'as enterré? He said, let's go, I'll show you. Elle a dit, je vais aller te montrer. They went to the grave. Ils sont partis dans la tombe. Everybody was, what is he going to do? The man has been dead for 4 days. Tout le monde disait, qu'est-ce qu'il va faire? Le monsieur, il est mort depuis 4 jours. We are outside of bracket here. You can't do nothing. Jésus, nous sommes en dehors de fourchette, tu ne peux rien faire. You should have come when he was still sick. Tu serais venu quand but il est encore malade. Là, il est mort, qu'est-ce que tu vas faire? Même pas qu'il est mort maintenant, il était mort depuis 4 jours. So where did you bury him? Il a dit, où est-ce que tu l'as enterré? Let's go. On va they y aller. To the grave. Ils sont arrivés dans la tombe. He told them and say, il leur a dit, roll the stone away. Ôtez la pierre. Alléluia. Amen. Roll the stone away. Ôtez la pierre. And I'll do the miracle. Et je ferai le miracle. Roll the stone away. Ôtez la pierre. Alléluia. Amen. Do the first step. Fais le premier pas. To show that pour montrer you believe he can operate outside the bracket. Que vous croyez qu'il peut agir en dehors de Alléluia. Fourchette. Amen. Make that prayer. Fais cette prière. Make that confession. Fais cette confession. Make that first step. Fais ce premier to étape. Prove unto him pour prouver that you believe que vous croyez that he can operate outside the bracket. Qu'il peut agir en dehors de fourchette. And he's going to acknowledge your faith. Et il va le faire en fourchette. And he's going to act upon your faith. Il va travailler sur base de ta foi. Il va dire, ôte la pierre. They rolled the stone away. Ils ont ôté la pierre. He came and said, Lazarus. Il est venu, il a dit, Lazare. Come forth. Sors. Lazarus came forth. Lazare est sorti. He was bound. Il était lié. And he said, unbound him. Il a dit, déliez-le. A man that was dead for 4 days. L'homme qui était né depuis 4 jours. He was thinking already. Il sentait mauvais déjà. Corruption set in his body. La corruption s'est installée dans son corps. But God restored. Mais Dieu l'a restauré. Everything. Toutes choses. He operated outside of brackets. Il a opéré en dehors de fourchettes. So brothers and sisters, alors frères et sœurs, don't lock God. Ne gardez pas Dieu. Don't lock God in your past opportunities. Ne bloquez pas Dieu dans vos opportunités passées. Oh Lord, you know. Oh Dieu, tu sais. When I was 19 years old, maybe. Quand j'avais 19 ans peut-être, I could have got married. J'aurais pu me marier. Alléluia. Amen. I know a sister. Je connais une sœur. I was used to call her my younger sister. J'avais l'habitude de l'appeler ma petite sœur. I say little sister. Je lui dis jeune sœur. She lives in Quebec. Elle vit à Québec. Oh boy, she said, and the mother told me, oh, Brother Boris. Oh là là, la mère m'a dit, Frère Boris. I want God to give a husband to my daughter. Je veux que Dieu accorde un mari à ma fille. Hallelujah. Amen. I can give her name, Sister Annie Marchand. La sœur Annie Marchand. She was a little sister to me. Elle était une petite sœur pour moi. But she kept her faith. Mais elle a gardé sa foi. She kept her faith. Elle a gardé sa foi. And finally. Et finalement. The God did not look at age bracket. Dieu age bracket. N'a pas regardé à la fourchette de l'âge. He sent her husband. Il lui a envoyé un époux. He sent her husband. Il lui a envoyé un époux. Hallelujah. Amen. And today she's married. Et aujourd'hui, elle est mariée. God gave her comfort. Dieu lui a la réconfortée. But she had her life completely dedicated unto God. Mais elle a sa vie qui est dédiée à 100% à Dieu. Give God the first place. Accorde à Dieu la première place. Do what God wants you to do. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. The Bible says, la Bible dit, if you make him the delight of your heart, si tu fais de lui le délice de ta vie, he shall give unto you the desire of your heart. Il va te donner le désir de ton cœur. Alléluia. Amen. Don't lock God in age opportunities. Ne verrouille pas Dieu dans les opportunités de l'âge. Don't lock
block God in a geographical location. Ne bloque pas Dieu dans une location géographique. No, God cannot bless me because I am in such and such a country or in such and such a village. It doesn't matter where you are. Non, Dieu ne me bénit pas parce que je suis dans tel pays, tel village. Cela n'importe pas. Wherever you are, God can bless you. Où que tu sois, Dieu peut te bénir. Amen. Amen. Blessings are not tied to a geographical place. Les bénédictions ne sont pas liées à un lieu géographique. Blessings are in Christ. Les bénédictions sont en Christ. Alléluia. Amen. And once you are in Christ, et une fois vous êtes en Christ, you are heirs to those blessings. Vous êtes. Whether you are in a village, même si vous êtes au village. Whether you are in a city, que vous soyez dans la ville. Whether you are in nowhere, que vous soyez nulle part. God's blessing is still upon you. Les bénédictions de Dieu sont sur vous. God's success is still upon you. La réussite de Dieu est sur so vous. Don't put God in a bracket. Alors ne mettez pas Dieu dans don't une fourchette. Lock him in a bracket. Ne le bloquez pas dans une fourchette. Don't do that. Ne le faites sometimes pas. People lock God in their education intelligence. Il y a des gens qui gardent Dieu dans l'intelligence. But you can be intelligent, tu peux être intelligent, but you fail. Mais vous échouez. Hallelujah. Amen. And many people today are intelligent, but they're in prison. Il y a beaucoup de gens intelligents en prison. Amen. Amen. Oh, I'm so smart, I can do this, I can... No, humble yourself. Oh, je suis très intelligent, je peux faire ceci, cela. Humble humilie-toi. Yourself before him. Humilie-toi devant lui. Say, Lord, dis, Seigneur, you are the fountain of wisdom. Vous êtes, tu es la source de la sagesse. Lord, oh, Seigneur, you are the ancient of days. Tu es l'ancien de jours. You know everything before anybody else. Tu connais toutes choses avant tout le monde. Teach me your way, Lord. Apprends-moi tes voies, oh Seigneur. Work in my stead. Travaille à ma place. I don't know how to do it. Je ne sais pas comment le faire. Do I am a doctor, Lord? Combien je suis docteur, Seigneur? Lord, I don't know how to do a surgery. Seigneur, je ne sais pas comment opérer. I surrender my hands in your hand. J'abandonne mes mains entre tes mains. Lord, do the surgery in my stead. Seigneur, fais l'opération Lord, à ma place. Bless in my stead. Seigneur, bénis à ma place. Lord, do this in my stead. Seigneur, fais ceci à ma place. I'm not a good mechanic. Je suis pas un bon mécanicien. But Lord, I surrender myself in your hands. Mais Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. I don't trust my own ability. Je ne fais pas confiance en mes I'm capacités. Trusting in your ability. J'ai confiance en toi. You have to come out of those brackets. Tu dois sortir de ces fourchettes. And believe that God is still able. Et croire que Dieu est plus que capable. Do you believe that? Vous y croyez? Don't keep me in a bucket. Ne le gardez pas dans la fourchette. Free up your mind. Libère tes pensées. Amen. Amen. Somebody free up your mind. Quelqu'un libère tes pensées. Wherever you are now, où que tu sois maintenant. Repeat after me. Répète après moi. Wherever you are now, où que tu sois maintenant. Repeat after me. Répète après just moi. Just say as I'm saying. Dis comme je le dis. Even now, Lord. Même maintenant, Seigneur. Even now, Lord. Même maintenant, Seigneur. You are able. Tu es capable. Even now, Lord. Même maintenant, Seigneur. You can do it. Tu peux le faire. Hallelujah. Amen. We speak like Martha. Amen. Nous partons. You say, even now, Lord. Nous parlons comme Marthe. Elle dit même you maintenant, Seigneur, tu peux le faire. My past life, my past opportunities cannot determine my tomorrow. Ma vie passée ne peut pas déterminer le lendemain. Alléluia. Amen. It's my faith in what you can do, Lord. C'est ma foi en ce que tu peux faire, Seigneur. You say I don't have might. Tu dis je n'ai pas de puissance. But trust the Lord. Mais fais confiance en Dieu. Alléluia. Amen. He is your might. Il est ta puissance. He is your everything. Il est ton tout. Hallelujah. Amen. Do you love him? Vous l'aimez? Let us stand. Veuillez vous tenir debout. And we are going to sing a song. And each one will pray. Et nous allons chanter une chanson et chacun va prier. If you had put God in some brackets, si tu as mis Dieu dans une fourchette, say Lord today. Dis Seigneur aujourd'hui. I'm bursting that thing out, Lord. Je écrase cette chose-là. I'm freeing up my mind, Lord. Je libère mes pensées, Seigneur. You're not limited by ages. Tu n'es pas limité par l'âge. You're not limited by financial circumstances. Tu n'es pas limité par des circonstances financières. You're not limited by emotions, Lord. Tu n'es pas limité par les émotions. You're not limited, oh God, tu n'es pas limité, oh Seigneur, by my abilities. Par mes capacités. You're not limited, Lord, by my pleasure. Tu n'es pas limité par mes plaisirs. You can go beyond, oh Father. Tu peux aller au-delà, oh Dieu. You're still the same. Tu es le même. Alléluia. Amen. You believe him? Vous croyez en lui? I love him. I love him because he first loved me. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Thank you, Lord Jesus. Merci Seigneur Jésus. Just tell me you love him. Dis-lui simplement que je t'aime. I love you.
your voice unto him. Pourquoi tu ne lèves pas ta voix à Dieu? Speak to the Lord. Parle au Seigneur. Thank you, Lord Jesus. Blessed be your name, Lord. Father, may you burst all those brackets, oh God. Père, que tu puisses écraser toutes ces fourchettes. Give victory unto your children, oh God. Donne la force à tes enfants, la victoire. Let them burst out the bracket of ages. Laisse-le casser les fourchettes. The brackets of past opportunities. De l'âge et des opportunités manquées. The brackets of pleasure. Les fourchettes du plaisir. Even the brackets of time, oh God. Même le fourchette du temps. Oh God, the brackets of financial circumstances, oh abilities. Dieu, les fourchettes de capacité financière. Father, you are more than able. Père, tu es plus que capable. Let us burst out those brackets of science. Que nous puissions briser ce fourchette de la science. Science has limitation, oh God. La science a ses limites. But you don't have limitation. Toi, tu n'as pas de limites. Oh, blessed be your name, Lord. Oh, que ton nom soit béni. You are worthy of worship and praises. Tu es digne de louange et d'adoration. Hallelujah. You are all I need. You are all I need. Jesus, you raise your hand. S'il vous plaît, quand on appelle vous, levez votre main. Our gracious Heavenly Father, notre gracieux Père Céleste, we thank you for your love and grace. Nous te remercions pour ta grâce, ton amour. We thank you for your word nous te remercions pour ta parole qui ne change pas. What a wonderful thing, Lord. Quelle chose merveilleuse. To know that you are not limited by circumstances and time. De savoir que tu n'es pas limité par les circonstances et Lord, les temps. You burst all those brackets out. Seigneur, que tu puisses briser toutes ces limites. Father, you are not under obligation. Père, tu n'es pas sous obligation. To be locked, oh God. D'être lié, oh Dieu. You can move across time, across space, across any circumstance. Tu peux te mouvoir au travers du temps, des circonstances. God, we saw how Abraham. Dieu, nous avons vu comment Abraham and Sarah. Et Sarah. They had age bracket for childbearing. Ils avaient la limite de l'âge pour concevoir un enfant. They had pleasure bracket. Ils avaient la limite de plaisir. They had science bracket. Ils avaient la fourchette de la science. But Lord, you went beyond the brackets, Lord. Mais Dieu, tu es sorti en dehors de la fourchette. To show that you are the I am. Pour montrer que tu es le je suis. That don't depend on those brackets. Qui ne dépend pas de ces fourchettes. Lord, we seen the tab of Moses. Oh Seigneur, nous avons vu Moïse. You went over those brackets, oh God. Tu es parti au-delà de ces fourchettes. Of education. De l'éducation. Of military ability. De la capacité militaire. When it was without power.
Quand il était sans puissance. When he was weak, Lord. Quand il était faible, Dieu. That's where you came down. C'est là que tu es descendu. And to give him power. Pour lui donner la force. Lord Jesus. Oh Seigneur Jésus. Here we are. Nous voici. We have raised our hands, oh God. Nous avons élevé nos mains. We feel so weak. Nous nous sentons faibles. We feel so helpless. Nous nous sentons sans force. We feel unable. Nous nous sentons incapables. We feel powerless. Nous sentons sans force. Oh God. Oh Dieu. There's no bracket we can rely on, oh Father. Il y a aucune fourchette dans laquelle on peut s'appuyer. But we are relying on your promise that cannot fail. Mais nous reposons sur ta promesse infaillible. May you move on the scene tonight. Que tu puisses te mouvoir sur la scène cet après-midi. And bless each and every one of us, oh Father. Et bénir tout un chacun d'entre nous. They may see your mighty hand operate outside the brackets of limitation. Qu'ils voient ta main puissante opérer dans les fourchettes de la limitation. That your children may come up with the testimony of the supernatural God. Que tes enfants viennent avec le miracle, les témoignages du surnaturel. Because for you to do a supernatural thing, parce que pour que tu fasses quelque chose de surnaturel, it must be outside of brackets of ability. Ça doit être en dehors de limites. Outside of natural brackets, oh God. En dehors de the fourchette naturelle. Lord Jesus, may you come on the scene, oh Father. Seigneur Jésus, que tu puisses te mouvoir sur la scène. Raise our faith, Lord. Élevez nos foi. As the faith of Martha. Comme la foi de Marthe. To believe and say even now. Pour que nous croyions, disons you are maintenant. More than able. Tu es plus que capable. Raise our faith, Lord. Élève notre foi, as the faith au Seigneur. Of Abraham, et la foi d'Abraham. Who did not consider the brackets, oh God. Qui n'a pas considéré la fourchette. He considered God in present tense. Il a considérer Dieu au présent. Lord, let each one of us, oh Father, forget his brackets. Seigneur, permet à tout un chacun oublie sa fourchette. But they believe you, oh God. Mais qu'ils croient en and toi. And trust you, oh Father. Et te fasse confiance. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Bring healing in our midst. Apporte la guérison. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Bring deliverance. Apporte la guérison. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Bring blessing. Apporte la in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Open the wombs. Ouvre la. In the name of Jesus. Matrice, au nom open de Jésus. Even the spiritual wombs. Ouvre même. In the name of Jesus, open the financial brackets. In the name of Jesus, open the age brackets. In the name of Jesus, open the bracket of science, Lord. Oh God, let us rise up on the wings of faith. As mighty army. L'armée puissante. As sons and daughters of God. Comme fils, filles de Dieu. Oh Father, thank you. Oh Père, merci. Let us come up with testimonies for your glory. Nous te remercions pour ta gloire. We thank you for love and grace. Te remercions pour ta grâce, ton amour. In the name of Jesus, we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Are you happy? Vous êtes heureux? Are you happy? Vous êtes heureux? He broke the chain today. Il a brisé la chaîne aujourd'hui. He broke the chain and set me free. Hallelujah. His banner over me is love. He broke the bracket tonight. Let's look for the name. His banner over me is love. His banner
Prayer and have a positive attitude. Gardez-nous dans vos prières et l'attitude positive. And tell the Lord, Lord, I thank you for breaking those brackets. Et dis, Seigneur, je te remercie pour avoir brisé ces fourchettes. That kept me in bondage. Qui me gardait dans la servitude. Oh, if thou had been here, Lord. Oh, si tu étais là, but Seigneur. I know even now. Mais je sais que même maintenant. Outside of brackets. En dehors de fourchettes. Your power is the same. Ta puissance est la outside même. Outside the brackets. En dehors de. You are still the same God. Fourchettes, tu es toujours le même Dieu. Hallelujah. Amen. Messiah is the King of Kings and the le Lord Messie of Lords. Le Messie est le roi de rois. God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous. Seigneur, le Messie.